Et bienvenue sur ma chaîne Atelier EV3 pour une nouvelle vidéo qui sera une nouvelle vidéo challenge. Challenge de saison. Je vous propose en ce printemps qui vient de commencer depuis hier d'organiser à nouveau un challenge du printemps. Alors ça consiste en quoi un challenge du printemps? Ça consiste à créer toutes les façons qu'on le souhaite avec nos mains autour de certains thèmes, de catégories, de mots-clés pour essayer de participer ensemble. C'est comme si vous voulez un knit-along ou un crochet-along ou un sew-along. Sauf que là, en fait, on peut varier les plaisirs et on va toutes se rassembler autour de certains thèmes. Toutes, je dis, ça peut être tous, hein, bien sûr. Bienvenue, messieurs, avec grand plaisir. Voilà, donc aucun souci. Tout le monde peut participer. Quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau, quelles que soient vos envies, vous allez trouver certainement des thèmes qui vont vous inspirer pour le printemps qui commence à peine. Donc, comment ça se passe? Ça se passe sur Instagram, mon Instagram atelier.ev3 que je vous mets ici. Je vous ai mis en story permanente les petits templates que je vous montre rapidement ici. Alors, il y a un template pour expliquer un petit peu comment ça se passe, qui vous présente un hashtag, parce qu'il y aura seulement un hashtag. Ça s'appelle challenge... Comment il s'appelle mon hashtag, hein? Vous le savez, je suis sûre. Challenge créatif du printemps. Ça doit être quelque chose comme ça. Je le mettrai ici également. Donc, avec ce hashtag, vous participez à tous les menus et toutes les sous-catégories que je vais vous proposer ensuite. C'est très simple, vous pouvez mentionner ou non le challenge qui vous intéresse, ce que vous faites. Vous pouvez dire, ben voilà, dans le cadre de ce thème-là, j'ai pris le sous-catégorie Intel et j'ai créé ça. Et je vous le montre, vous pouvez même l'utiliser pour montrer votre projet en cours. Et voilà, donc, contrairement au challenge de l'automne, je ne vais pas récapituler dans un tableau toutes vos participations en fonction des menus. Donc je vous laisse maître du jeu, vous avez les menus dont je vais vous parler après, et ensuite vous remplissez autant de menus que vous le souhaitez, vous vous challengez comme vous le voulez. Je ne vous donne pas de niveau, il y aura des choses à gagner, mais vous allez voir sous une forme différente. Ça va être un peu différent parce qu'en fait organiser ça sur Instagram, c'est difficile de comptabiliser. Et en même temps, je trouve que c'est quand même bien le meilleur moyen de nous montrer et de faire toutes ensemble, tous et toutes ensemble, un projet, de partager nos idées pour le printemps. Parce que c'est très visuel et que je trouve que c'est très rapide. Donc malgré les nombreux défauts d'Instagram, je trouve que c'est un bon réseau pour nous montrer nos projets. Et j'affectionne beaucoup mon compte Instagram Atelier EV3. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est d'ailleurs le moment de le faire. Je vous invite à vous rendre dans la barre d'informations, à cliquer sur le lien et à vous abonner. Comme ça, vous aurez accès aussi à ça. Je vous invite aussi à vous abonner au hashtag. Si vous ne savez pas faire, vous cliquez sur le hashtag sous une de mes publications, par exemple. Vous cliquez sur le hashtag et en fait, vous aurez accès à toutes les publications relatives à ce hashtag. Et en haut, vous pourrez appuyer sur le bouton s'abonner. Et ça, ce sera très pratique. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu tout ce que tout le monde crée et participer. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je vous ai concocté 4 menus. Et pour chaque menu, il y a 3 sous-catégories. Parce que j'avais envie, tout simplement. Je ne voulais pas qu'il y ait trop de sous-catégories. Que ça reste faisable en alliant différents loisirs créatifs, différents plaisirs. Vous pouvez faire de la broderie, vous pouvez faire de la cuisine, vous pouvez faire du dessin, voilà, à vous de choisir. Moi, comme je suis une férue de tricot et un peu de crochet et un peu de couture, vous allez voir que je vais plutôt axer là-dessus. Je vais vous présenter les différents menus et je vais vous présenter en même temps moi ce que je compte faire. Ça ne veut pas dire forcément que c'est ça que je vais faire, mais concrètement, à ce jour, j'ai une chose de prévu dans chaque sous-catégorie. Alors, c'est parti. On va commencer avec le menu 1 qui s'appelle sortie au grand air. Je suis désolée, je regarde mes petites notes. Hein, vous m'en voulez pas parce que je connais pas ma tout doux par cœur. Donc, sortie au grand air.
Il y a trois sous-catégories. La première sous-catégorie se nomme « ça bourgeonne ». Un peu comme sous mon nez, vous voyez. Ça bourgeonne. Donc, on va avoir tout ce qui est motif fleur, texturé, nope. J'ai mis aussi tout ce qui peut être enfant, parce que ça bourgeonne, c'est bien nos enfants qui grandissent. Et du coup, je me suis dit qu'on pouvait aussi y mettre des choses peut-être concrètes pour nos enfants. Petits-enfants, ça fonctionne très bien. Donc, allez-y. Moi, de ce côté-là, il y a plusieurs choses qui me donnent envie, donc j'ai pas encore vraiment choisi. Je vais vous dire deux, trois petites choses. Déjà, pour mon fils Simon, j'aimerais faire un design de col qui va allier en fait différentes textures et différents fils. Donc, pour le moment, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, peut-être que dans le cadre du printemps, je ferai ce design. C'est pas encore sûr. J'aimerais faire le châle Tokoro Shawl, qui est un châle qui mélange de la dentelle et voilà, du point mousse. Et je voudrais le tricoter peut-être en tache de figue. Est-ce que j'en ai là? Non, mais je vais vous mettre une photo ici de tache de figue parce que j'en ai pas avec moi. Tache de figue que je mélangerai soit à mon coloris True Blood, soit à mon coloris figue, tout simplement. Je ne sais pas encore, mais quand on me pose souvent la question de savoir ce que ça va donner, en fait, tricoter le tache de figue, je le vois vraiment sur ce châle, en fait. Je vois bien dans la partie dentelle. Donc voilà, j'ai très envie de le faire. Voilà, sinon, ce qu'il est possible aussi, je me disais peut-être de faire pour un de mes fils le Marley, qui est un châle de André Amaury, qui est un châle tout en brioche. Et voilà, j'avais envie de le faire en fait pour mon fils Joseph, donc peut-être que ça peut être aussi une solution. Voilà. Seconde sous-catégorie, elle se nomme un battement d'ailes. Donc pour faire un petit peu référence à nos papillons qui en ce moment se promènent beaucoup. Moi, je sais qu'on est allé se promener ce week-end en forêt, il y en avait plein sur le chemin, c'était trop chouette. Très coloré, d'où les mots-clés multicolores, collectif et léger. Alors collectif parce que un battement d'ailes de papillon, on sait que ça peut avoir des effets sur plusieurs personnes, sur plusieurs choses. Et je me suis dit que finalement, Instagram, ça marche aussi comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un publie quelque chose, ça donne envie à d'autres. Et peut-être que du coup, on peut se mettre à plusieurs pour tricoter la même chose. Un projet collectif de toutes sortes peut intégrer cette catégorie. Par exemple, vous participez à un autre cal, n'hésitez pas à mettre votre projet là-dedans. Et j'ai mis aussi léger parce qu'un papillon c'est extrêmement léger et que au printemps, certes on a envie de tricoter, mais on a envie de tricoter un peu plus léger, des matières peut-être un peu plus vaporeuses. Et enfin, en tout cas moi, pour mon cas, j'ai très envie de me tricoter le Frida sweater de je ne sais plus qui. Je vous mettrai ça ici. Et donc j'ai même la laine pour le faire qui est du mohair, si je ne dis pas de bêtises, de chez Drops. Donc voilà, il est possible que je me tricote ça. C'est pas encore sûr, mais c'est possible. Sinon, voilà, c'est tout. Non, parce qu'après, l'autre projet, j'ai un projet multicolore en cours, mais ce sera pour la catégorie d'après. Donc la catégorie d'après, c'est justement la fantaisie est un perpétuel printemps. Parce que c'est tellement vrai. Le printemps, c'est le renouveau et ça donne vraiment envie de se challenger, de s'amuser, de sortir de sa zone de confort. D'où les mots-clés sortir de sa zone de confort, jeu et fun. Et là, j'ai décidé de tricoter le Marlène Magic Sweater de Steven West qui est déjà en cours. Et ça me permet de vous dire que vos projets en cours qui sont commencés à moins de 50% sont acceptés dans ces challenges. Donc vos en cours sont acceptés s'ils ne sont pas bien sûr juste à la fin quand vous commencez le challenge, ce qui me semble normal. Par exemple, moi j'ai un en cours que je ne vais pas rentrer dedans parce qu'il me reste une manche et demie à faire. Donc pour moi c'est un peu trop avancé pour que je le mette dedans. J'irai pas vérifier, donc à vous de juger, c'est juste, voilà, je trouve ça un peu normal. Je vais pas faire la flic des challenges, du printemps, ça c'est clair, comptez pas sur moi, je vais pas avoir le temps. Donc voilà, juste par rapport à vous, essayez de voir un petit peu comment vous vous situez. Alors, second menu, on va parler couleurs et palettes de printemps. Donc, c'est parti. Alors, la première catégorie,
se nomme « Une hirondelle fait le printemps ». Bien que, normalement, ce qu'on dit, c'est plutôt qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Moi, j'ai décidé de dire qu'une hirondelle fait le printemps. Parce que ça me plaît et parce que ça me permet de mettre les mots-clés noir, blanc et gris. Donc, dans cette catégorie, vous allez en fait créer avec des basiques qui vont pouvoir en fait mettre en valeur vos autres couleurs. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est une veste dans ce tissu pied de poule, c'est ça qu'on dit, je crois. Hein. Donc, en fait, c'est une veste que je veux reproduire. J'ai une veste déjà et comme ça, quand je la ferai, je vous montrerai. Et en fait, je veux partir de ma veste qui est un peu petite au bras. En fait, elle me va, mais il faut vraiment que je mette juste un t-shirt en dessous. Et ce que je voudrais, c'est l'agrandir un petit peu pour pouvoir mettre, par exemple, un sweat en dessous ou un pull léger. Donc, je vais me faire cette veste en fonction de la veste déjà existante. C'est un tissu que j'ai dû acheter, je pense, sur Mondial Tissu, qui est assez beau. C'est une belle qualité. Je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est comme qualité, je ne me souviens plus. Il doit y avoir de la viscose dedans quand même. Il est très mou et ça va être super pour le printemps. Et surtout, je vais pouvoir mettre en dessous des petites choses un peu plus colorées. Et ça, c'est trop cool. Voilà. Sinon, j'ai aussi de quoi me faire un pantalon noir. Et ça, ce serait bien que je le fasse aussi. Mais bon, si j'ai pas le temps, je fais pas. C'est pas grave. Seconde sous-catégorie, j'ai appelé ça « Ramène ta fraise ». C'est quelque chose que je dis souvent à mes garçons pour la petite anecdote. Ramène ta fraise. Voilà, donc j'aime bien cette catégorie. J'ai mis dessous rouge, fruits et partage. Parce que ramène ta fraise, ça veut dire bien ramène-toi, allez viens, on va tous tricoter ensemble. Ramène ta fraise pour pouvoir partager ensemble tout autour de ces menus. Donc j'ai décidé de faire le top Zinone, et là j'ai sorti le coloris. Je vais le faire dans mon coloris Strawberry, ici sur base Merino Nylon. Voilà, donc celui moi que j'ai, c'est un bain qui est un peu plus foncé et que je veux pas forcément vendre, donc il est un peu plus foncé. C'est celui-ci qui est en boutique et que j'aime vraiment beaucoup. C'est presque fluo, hein, on est d'accord. Mais j'aime bien et donc j'ai envie de faire ce top qui allie un peu, enfin qui allie dentelle, notamment dans le haut du dos, et jersey. Et je ne sais pas trop si je vais faire la version courte ou la version avec plus de dentelle. Je sais qu'il y a plusieurs versions dans le patron, mais j'aime beaucoup et ça va vraiment trop beau. Voilà. Donc je vais faire ce top-là, que je vais monter d'ailleurs assez rapidement. Et ensuite, la dernière sous-catégorie, c'est repeindre en vert. Donc là, on part sur une palette un peu plus large de printemps. Toutes les couleurs de printemps fonctionnent. Et j'ai aussi mis pastel et j'ai aussi mis la catégorie dessin. Vous pouvez aller dessiner des choses ici. J'ai mis repeindre en vert, mais bien sûr, tous vos dessins qui seront inspirés par le printemps fonctionneront. Moi, j'ai décidé de faire deux choses en même temps. Attendez, parce que je vérifie juste quelque chose. Ouais, j'ai décidé de faire deux choses. Donc j'ai décidé de tricoter les chaussettes dans mon coloris avocado, donc qui est pareil sur ma base Merino Nylon. Et donc ça va être top parce que là ça va être un design de chaussettes, mon second. Et voilà, j'ai très envie. Cette fois-ci, ce ne sera pas un toe up, mais ça sera un, comment on dit, cuff down, parce que j'ai envie de faire aussi cette technique dans mes patrons. Et puis je vais aussi faire un design de top dans le coloris lavande. Donc là c'est la base Merino Superwash et c'est le coloris lavande, qui est un violet lavande avec des speckles, des taches de vert un peu bleuté avec un peu de jaune, un peu de vert, un peu. J'aime beaucoup ce coloris. Et je pense que c'est une couleur qui est dans ma palette. Donc ça va être parfait. Je sais déjà le design que je veux faire. Là, il faut que j'échantillonne parce que je vais le monter très rapidement. Passons au troisième menu qui est ouvrir grand les portes. Allez, on aère nos maisons, on aère nos petits ateliers et puis on va aller d'abord faire le ménage de printemps.
C'est important avant de créer aussi, de trier, et cette phase de tri entre l'automne-hiver et le printemps-été, c'est toujours très important et j'aime bien le mettre en valeur à chaque fois dans mes challenges parce que je trouve que c'est du temps qu'on passe et qui nous permet de nous projeter sur des nouveaux projets, savoir ce qu'on a déjà en stock. Alors ça peut être vos habits, hein, tout simplement, et de se dire bon ben voilà, j'ai fait le tri, je sais ce que j'ai, je sais ce qui me manque, bon ben voilà, ça me permet de faire une liste. Vous pouvez très bien faire une petite photo sur Instagram en mettant vos réalisations déjà de l'année dernière ou des années précédentes versus ce que vous voulez faire dans l'année à venir, dans l'année 2022. Ça vous permet aussi de faire du tri dans votre stock de tissus, de laine, de plein de choses, de feutres, de peintures, de fils en tout genre, donc n'hésitez pas. Moi je vais du coup caler là-dedans aussi le Marlène Magic Sweater parce que je me dis que finalement je fais le tri et j'utilise tous mes restes de fil. Ça fonctionne aussi, utiliser ces restes de fil, ça peut vraiment être bien dans ce cadre-là. Ça me permet de vous dire aussi que un projet peut rentrer dans différentes catégories. Comme ça, ça vous permet d'avoir moins de projets et pouvoir peut-être de participer quand même au challenge, même si vous n'avez pas forcément les possibilités de créer 12 projets pendant le printemps, ce que je comprends bien. Second sous-menu, sous-catégorie du menu 3, c'est voyage. Alors là, j'ai mis tout ce qui est hors France, je vous explique. Vous allez faire une recette, par exemple, qui est inspirée d'un pays étranger, n'hésitez pas, c'est là. Vous allez tricoter un patron qui n'est pas dans votre langue, ça fonctionne. Un patron qui est fait par un designer qui n'est pas français, ça fonctionne aussi. Ça marche pour la couture. Si vos tissus viennent d'un autre pays, ça fonctionne. Tout ce qui, en fait, va venir d'un autre pays pour ensuite nous inspirer, nous, en France, ça fonctionne. Faut pas que ce soit, en fait, l'idée, c'est d'aller se balader dans le monde ailleurs que chez nous. Allons sortir notre tête un peu de la France. Il y a des choses pas belles à voir en ce moment, mais allons voir ce qui est joli aussi pour ne pas oublier que nous vivons tous dans un monde très très joli malgré tout. J'en profite pour faire ma petite promo des boucles d'oreilles. Voilà, Map Monde, qui sont en boutique d'ailleurs, si ça vous intéresse. Troisième sous-catégorie du menu 3, fais rentrer le soleil. Vas-y, fais rentrer le soleil. Là, j'ai décidé qu'on allait plutôt se focaliser sur des décos de printemps. Ça peut être vraiment plein de choses. Vous allez cueillir des fleurs. Vous faites un bouquet de fleurs, vous faites une photo, ça fonctionne, puisque vous allez décorer votre maison avec. Mais il faut quand même faire venir que on vous achète un bouquet, vous faites une photo du bouquet. Non, il faut aller faire l'effort quand même d'aller chercher quelque chose pour créer quelque chose. Donc moi, j'ai envie de faire deux choses. J'ai envie de faire des dessous de plat au crochet. Enfin, des dessous de plat, non. Des sets de table au crochet parce que j'en ai fait un et que je veux en faire d'autres. Je sais pas si je le ferai, mais si j'ai le temps de les avancer, c'est bien. Et je veux aussi me faire des housses de coussin. Je vais vous montrer le tissu. Donc je vais me faire des housses de coussin avec ce tissu que Sandrine, je crois, Agnès Sorel sur les réseaux m'avait offert dans le cadre de mon calendrier de l'Avent. Et ce tissu, je le trouve très beau. J'avais envie de me refaire des housses de coussin, peut-être avec une bordure au crochet. Je me cache pas. Donc c'est possible que je fasse ça parce que je pense que j'en ai assez pour faire quand même... peut-être 4 coussins. Enfin, je le repasse, hein, mais je pense que ça peut être très sympa. Voilà, parce que je cherchais. Et en fait, en stock, elle m'avait offert un bon métrage. Donc, du coup, ça va être très sympa. J'ai très hâte. On a fini avec le troisième menu. On passe au dernier menu. Se nomme et maintenant danser. Ben oui, puisqu'on a rangé, on est allé ouvrir grand les portes, on est sorti au grand air, on a regardé un petit peu quelle couleur nous plaisait dans le printemps. Maintenant on danse. Je vois que ça. Alors là-dedans, j'ai mis des choses vraiment très printanières. Vous allez voir, je me suis inspirée de nos petites maximes printanières. Donc, le premier sous-catégorie, c'est « En avril, ne te découvre pas d'un fil ».
Vous voyez où je veux en venir. Donc l'idée, c'est de continuer à se protéger un peu du froid, parce que malgré tout, là même en région parisienne, il fait très beau. Mais c'est possible très très rapidement que la température baisse. Il peut y avoir encore des gelées matinales. Et puis, on connaît bien tous les... on s'appelle les saints de glace qui sont en mai. On sait que le gel est possible encore. Donc couvrons-nous, restons encore un petit peu au chaud, notamment le matin. Et donc j'ai mis les mots clés chaud, mohair et col, parce que en fait finalement on va se faire, alors quand je dis col ça peut être un châle, hein, c'est tout ce qui va nous protéger un peu le cou. Chaud, dans ces cas-là, ça va dire que ça va être les matières un petit peu chaudes, ça peut être du fil un peu épais. J'ai mis aussi du mohair parce que le mohair ça réchauffe. Et l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de trou-trou, pas de dentelle, pas d'aération, que ce soit pas déjaugé, voilà, que ça tienne encore un peu chaud. J'ai mis ici le Misty Sweater de Algaizaga, je crois. Oh, je suis pas sûre de moi. Bref, je vous montrerai, qui est donc un pull tout simple et qui me plaît beaucoup et que j'aimerais tricoter dans mon kaki. Mon kaki en mohair plus BFL. Donc c'est possible que je le fasse. Mais c'est possible que je fasse autre chose aussi. Il y a aussi le Play with Magic de Nadia Crétin-Léchelle qui me plaît beaucoup parce que j'ai très envie d'avoir un pull en côte et que ça fait longtemps en fait je l'ai en bibliothèque et j'aimerais bien pouvoir le tricoter. Mais là je sais pas trop, dans ce cas-là je prendrai peut-être un coloris de ma boutique pour voilà, ça me permet en fait de vous montrer ensuite sur les stands ce que ça va rendre. Deuxième sous-catégorie, en mai fais ce qu'il te plaît, bien entendu, après avril. Donc là c'est parti, on oublie tout ce qui est chaud, tout ce qui est occultant, tout ça. Dentelle, dos nu, manches courtes, allez-y, faites-vous plaisir. Les encolures extra plongeantes, c'est le moment. Les manches courtes, les manches ronds, les crop tops, c'est par là qu'il faut mettre tout ça. Moi, donc, j'ai donc mon design de top lavande et j'ai aussi le pull tout en dentelle Donovan, je ne sais plus qui non plus, qui me tente beaucoup. Et il est vraiment tout en dentelle, donc ça va être un beau challenge, mais j'ai très envie de le tricoter et j'ai envie de le faire dans un de mes coloris, je ne sais pas encore lequel, voilà, je ne sais pas, j'ai pas trop d'idées, donc il faut que je regarde ce que je vais faire, ce que j'ai en stock pour décider, on en reparlera. Et puis pour terminer ce menu et ce challenge, on a giboulée de mars. L'idée c'est que les giboulées, c'est désagréable, mais ça passe très très vite, comme on peut tricoter un accessoire très rapidement. L'idée, c'est vraiment la fugacité de la chose. Donc, je vous ai mis en mot-clé accessoire et rapide. Donc, l'idée, c'est ça peut même être une couture qui prend 2 heures. Vous voyez, il n'y a aucun souci, ça fonctionne, quelle que soit la couture, quel que soit votre dessin vite fait, quelle que soit votre broderie qui fait que quelques points, ça fonctionne. Là, j'ai mis... alors, moi, j'aime beaucoup... Il y a plusieurs choses que j'aimerais faire. En crochet, j'aime beaucoup le Flirty Foliage Monstera, qui sont des boucles d'oreilles au crochet. Ça, j'ai vraiment très très envie de me les faire. Je les adore. J'ai aussi envie en crochet de me faire un collier Inspiration Art Déco. Je vous mettrai le patron. Je crois que le patron est payant et que franchement, je pense que c'est tout à fait possible de le faire nous-mêmes. Mais j'aime beaucoup l'idée. Et puis en tricot, j'ai mis les chaussettes équinacées de Marie-Christine Lévesque parce que je les trouve tellement mignonnes. Et voilà, donc j'ai très envie de les faire. Et comme j'ai envie de faire des chaussettes en ce moment, voilà, il est possible que ce soit une des paires de chaussettes que je me fasse dans le cadre du printemps. Voilà, alors n'oubliez pas, ça se passe sur Instagram, ça se passe avec un seul hashtag. Ce qui va se passer, c'est que pour vous faire plaisir pendant ces challenges, je vais faire quelques tirages au sort pendant le challenge, mais ce sera sous un post, sous dans mon fil en fait, dans mon fil Instagram. Je vais y arriver. Donc je vais faire voilà, par exemple en avril, je vais faire tirage au sort dans le cadre des challenges créatifs de printemps. Dans ces cas-là, je vous demanderai juste de mettre un petit commentaire, peut-être de mettre un commentaire pour chaque réalisation que vous avez faite. Et puis voilà, puis je irai piocher en fait dans vos commentaires pour pouvoir vous gâter à cette occasion. D'ailleurs, si vous avez envie de sponsoriser mes challenges créatifs du printemps et de faire connaître votre marque
n'hésitez pas, comme ça, ça me permettra de faire, de tirer plusieurs personnes au sort pendant ces différents tirages au sort. Je pense que j'en ferai 3, parce que j'en ferai peut-être un tous les 20 du mois, vous voyez, quelque chose comme ça, ça peut être sympa. Donc voilà, n'hésitez pas, sinon je mettrai des choses de ma boutique, je ferai des choses... voilà, que je vous offrirai dans ce cadre-là. Donc n'hésitez pas quand même à mettre à jour, à n'hésitez pas à partager les challenges avec ce que vous avez prévu de faire, à partager cette vidéo pour les explications. Si vous avez des questions en dessous, n'hésitez pas, c'est possible. J'avais dit aussi que je ferai un live sur Instagram pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ici, je les reprendrai sur Instagram pour faire un live. Et puis voilà, donc voilà tout ce que je voulais vous dire. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau printemps. Je l'accueille les bras grands ouverts, avec beaucoup de bonheur, ce soleil qui revient. La forêt commence à reprendre des teintes de vert. Et c'est trop cool, les oiseaux chantent. Juste là, il y a une pie qui vient juste de passer devant moi. Elle est trop contente et ils sont vraiment, il y a une effervescence. C'est vraiment très très agréable. Donc profitons de ces jolies choses, partageons ensemble nos créations de printemps. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous sur Instagram pour suivre tout ça. J'espère que ces challenges vous plairont et ça vous donnera envie de créer. S'il y a un des patrons que j'ai cité qui vous tente et que vous avez envie de tricoter avec moi, n'hésitez pas, j'organiserai un knit along. Et puis voilà, tout ce que je voulais vous dire, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, profitez bien du printemps et à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye bye !